Bienvenue sur K-Lab. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude. Pour une toute nouvelle vidéo. Pour un nouveau concept sur notre chaîne YouTube. Inspiré de la vidéo qu'on a vue sur le frérot SwiftKicks. Et même l'Astral, je crois, quand il avait reçu les Mulberry. Voilà, en gros, on vous montre un peu les grosses livraisons qu'on reçoit. Donc c'est le premier épisode. En vrai, on pourra faire ça plus souvent. Ouais, clairement, clairement. Et comme ça, ça vous tient un peu au jus des petits investissements qu'on reçoit aussi. Exactement. Pour expliquer un peu la situation. Ouais. On aura une cinquantaine de cette paire qui arrive. Donc sans cacher le modèle, qu'est-ce que c'est, Baptiste? Vous n'allez pas vraiment voir, mais... Oui, non, bon. Bon, vous ne voyez pas, mais en gros, c'est là, on en a reçu 30 à peu près. Déjà, montrons de quelle paire on parle. Voilà, ça c'est... Il y a deux couleurs sur la paire, du coup. Il y a une version... Grise. Moi, je pense que vous avez peut-être pu la voir un petit peu passer. Dunklow, Lottery ou Jackpot. Exactement. La grise est bien plus limitée que la verte. Ça, c'est la Jackpot. Ouais, exactement. Ça, c'est la Lottery. Et les lacets, mais tu sais que j'avais jamais fait gaffe. Mais les lacets, ils sont en soie, en soie. Bah, ceux-là, ouais. C'est hyper frais, je savais pas du tout. Ouais, t'as vu. Donc, en vrai, petit pack bien frais. Donc nous on a beaucoup plus de vert que de gris parce que la grise est plus limitée. Moi j'aime bien investir sur le vert. Ouais, franchement, le marachite, les mines, voilà, le vert c'est une couleur. Et Duck Neptune. Neptune aussi. Très très belle. On en parlera peut-être plus tard. Bref, là le mélange de vert et de crème, c'est pas tout à fait blanc, c'est un peu blanc cassé. Moi je kiffe. Et la grise est plus limitée, donc on en a que 3. Ouais. Et puis voilà. sur celle-là, c'est plus. Moi ça me fait penser à une Small Grey. Ouais, ça Small Grey, tout ce qui est sorti, tous les modèles gris et tout. Mais donc voilà. De cette paire. Exactement, explique-leur. Donc, je sais pas si sur la tienne elle est vendue, donc il y a fourni avec un petit pins déjà, mais c'est sur l'autre paire, je crois. Un petit pins, je vais quand même le montrer. Voilà, un petit pins comme ça. En vrai, ça le kiffe les détails comme ça, les gars. Un petit pins, le focus. Ouais. Un petit pins comme ça, vous voyez, pour en gros gratter le souche. Et en fait, après il y a un autre souche en dessous, genre je prends photo les souches découpées. Je suis pas trop fan, mais même sur celle-là le souche est cool, sur celui-là je trouve un peu simple. Ouais. Pas fou, bref. Donc pour vous donner un peu en vrai le retour de pourquoi on investit sur cette paire, enfin principalement sur celle-là, du coup celle-là c'est un peu logique, paire une dung grise et blanche avec un souche noir, on prend pas vraiment de risque. Celle-là à la limite on peut dire qu'on prend un peu plus de risque, même si pas vraiment. Pour moi, cette paire, c'est un peu un banger parce qu'elle sort à la saison parfaite pour les investissements. Exactement, ouais, c'est vrai. Elle sort 4 mois avant Noël, avec un stock qui est vraiment monstrueux. Genre, Courir a reçu un stock de malade et la majorité de nos paires viennent de chez Courir. Un colorway incroyable. Pépite, genre, ouais, franchement, blanc cassé, vert, qui me rappelle en même temps la Spartan Green, en même temps le couleur blanc cassé un peu de la Malachite. Ouais, non, c'est sûr. Vraiment un truc de ouf, une qualité qui est au rendez-vous. Ouais, franchement, mais même les lacets, c'est pour ça que je t'ai dit, j'avais pas fait gaffe. Et franchement, j'ai l'impression au niveau de Nike, on retrouve du vert en abondance. Ouais, entre Neptune, Malachite, là, c'est là la loterie et tout, la mine qui a restock. Ouais, le vert commence à revenir un peu et ça fait grave plaisir, c'est une couleur qui marche bien. Donc voilà, donc moi surtout c'est la saison qui me fait kiffer cet investissement, c'est que on est après la rentrée scolaire, ce qui fait que genre c'est pas une paire qui est sortie qui a subi le boom avec les prix qui ont explosé tout de suite, sauf pour les meilleures tailles. Non, c'est sûr. Mais qui a subi le boom de la rentrée un peu, elle est sortie juste après, ce qui fait que les gens dorment un petit peu dessus, donc on n'a pas trop de mal à en avoir et on est pas content. Ça, ça up déjà, hein. Ouais, ça up déjà. Vous avez mis un One to Buy Bull qui a 150 inch. Donc nous, on parle cash, on a touché ça 130 inch. Ouais. Donc et puis pour en moyenne, hein. Nous on vous dit nos prix en moyenne. Donc 130 inch, tout frais compris. Ouais. Que ce soit les frais PayPal, les frais de livraison, tout frais compris. Donc voilà, c'est clairement un investissement. Nous, ça, je pense que ça partira. 75% partiront à Noël. On en regardera peut-être un petit bout pour plus tard. De toute façon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de paires du stock. De toute façon, pareil, vous aurez une vidéo sur le suivi. Mais Dites-nous si ça vous intéresse en vrai. Est-ce que vous kifferiez carrément. C'est un concept qu'on aimerait bien faire, c'est est-ce que vous kifferiez qu'on fasse une vidéo genre pendant le rush de Noël, parce que je crois que personne ne l'a fait avant. Non, c'est vrai, non. Pendant le rush de Noël, où on vous montre un peu comment on va écouler plusieurs centaines de paires.
comment, en quelques jours. Ouais, en fait. Voilà, comment est-ce qu'on va procéder pour sur Vinted par exemple, taper les bons moments, bah, du coup la dernière semaine avant Noël. Les du plateformes coup. De vente et tout, puis exactement. Vous montrez aussi toute la partie administrative ouais. que vous voyez pas dans les vidéos, mais ouais, qu'en vrai sûr. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens qui veulent se lancer. C'est sûr. Parce que là vous nous voyez faire les ouais, plus, voilà. avec ouvrir les des paires, mais avant on les rentre en stock, on les met dans un logiciel et tout. Donc peut-être que ça pourrait vous intéresser partie, aussi. Partie plus compliquée et moins, compliqué. Et moins drôle. Mais en vrai, donc voilà, si ce concept là vous intéresserait de vraiment tout voir, genre les expéditions, les réceptions et tout, bah dites-le nous en commentaire. En vrai, je crois que personne le fait. Non, non, ouais, non, c'est sûr. Donc voilà. Bon, dites-nous vous en commentaire toujours vos petits investissements et tout. Est-ce que vous en pensez de, si vous pensez de cette petite truc idée. Tu sais que moi je pourrais la rock, hein. Ouais, moi je kiffe une petite dingue comme ça, elle est crème, elle a l'air solide. Elle est super belle. Il y a un petit easter egg avec le swoosh, franchement ouais. elle est lourde. Et même ses lacets vraiment, enfin j'ai ouais. très quali les lacets. Mm-hmm. Non, j'ai non moi je kiffe de fou. Donc voilà, on va recevoir, on va peut-être qu'on fera une petite story sur Insta. Bien sûr, sur Insta. Encore une fois, n'hésitez pas sur Insta les gars. Et on est bientôt 1500, donc merci à vous. Et bientôt vous allez voir du contenu sur Instagram, mes pépites, que ce soit concours ou quoi. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller nous suivre. Donc voilà, dites-nous vous ce que vous en pensez de cette petite loterie et jackpot. Ouais. Et puis voilà. Et dites-nous du coup si vous aimez encore un peu plus avoir un peu plus de vidéos investissement sur la chaîne, avec vraiment des détails de comment on reçoit, comment on achète, comment on stocke. De toute façon, vous verrez, on a travaillé quelques petites vidéos qui vont sortir. On espère que ça va vous plaire. Bon, l'équipe, sur ce, on espère que la vidéo vous a plu. Oui. On espère que ça vous a plu. Exactement. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe.